Voilà les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog et on commence cet épisode dans de très mauvaises conditions. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris la route pour aller à la nouvelle île, Holbosch. Et pour cela, nous devons aller jusqu'à Chiquila. Donc on est parti pour 2h30 de route à peu près. Et comme vous pouvez voir, ça s'est pas très bien passé. On s'est retrouvé en plein milieu de l'autoroute, envahi d'éclairs, d'orages et de fortes pluies. Le trajet a été très long et très compliqué, autant pour moi comme pour Dani. Comme vous pouvez le voir, je suis restée littéralement les yeux baissés et la main devant le visage. Je refusais de regarder la route. Sincèrement, je n'ai jamais eu aussi peur de l'orage et des éclairs qu'à ce moment-là. Ça tapait vraiment près. Avec la pluie, on voyait pratiquement plus la route. Mais du coup, étant sur des autoroutes, c'était compliqué de s'arrêter ou de s'abriter quelque part. Donc on s'est dit, on continue. Et on essaye de sortir de là vivant. Finalement, après avoir failli mourir 3 fois par des éclairs qui ont tapé vraiment près, on est arrivé à Chiquila et on a pris le ferry. Et on est arrivé évidemment sous la pluie. Sauf qu'il faut savoir qu'à Holbosch, une fois que la pluie a commencé à tomber, c'est la catastrophe parce que littéralement l'eau envahit les rues. L'île est totalement inondée et comme vous pouvez voir, le mieux c'est de se déplacer dans des petits caddies de golf là ou genre de buggy. Au final, on est arrivé vivant à l'hôtel et on a pu se doucher, se reposer. C'était vraiment très calme. On a pu profiter un petit peu pour se remettre de nos émotions. Et on a attendu le lendemain pour commencer les activités. C'était réveil aux aurores pour aller visiter une plage dont j'avais entendu parler sur un blog, donc Punta Coco, qui au final se trouvait pas très loin de notre hôtel. Donc on s'est dit, on va y aller à pied, on va profiter de faire une petite marche tôt le matin pour le lever du soleil. Ça va être génial. Sauf que on n'avait pas prévu les moustiques. Donc là, vous voyez deux jolies images de la plage, donc Punta Coco. Mais en fait, juste avant, d'ailleurs impossible de filmer le carnage, on s'était littéralement fait dévorer. Mais pas les petits moustiques de la Réunion qui te font bisbis dans les oreilles en mode tranquille. Non, non, les gangs de moustiques qui t'attendent à chaque tournant pour te manger. Et voilà comment bien se réveiller le matin à Holbosch. Du coup, retour très rapide à l'hôtel. On a fait appel à un taxi pour se rendre dans le centre-ville. Direction le centre-ville pour prendre le petit déjeuner et commencer à visiter un peu la petite ville. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve tout de suite dans une ambiance beaucoup plus locale qu'à Cancun. Beaucoup plus authentique avec les petits marchés et puis les habitations. Malgré les difficultés à accéder à certains endroits, on a vraiment été charmés par l'île, par les habitants, tous très gentils. Vous pouvez retrouver les différents street art sur chaque mur de chaque bâtiment et c'est vraiment magnifique. J'ai quand même réussi à trouver un Stitch ici. Au final, retour à l'hôtel et petite pause déjeuner. C'est bon? C'est bon?
juste avant, on vous a mis une petite vidéo de Dany en train de préparer les tacos avec le petit monsieur. Et ben c'est ça. Et ça a l'air trop bon. Du coup, on a pris deux autres trucs. Ah, il a mis le picante. C'est fort. Pour goûter. Parce qu'en fait, on est passé dans le chemin et ça sentait beaucoup trop bon. Donc voilà. Du coup, c'est validé. Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sano. De una vez por todas, soy más fuerte sola. Que piense que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mar es cuando pensaré en regresar. Está sobreentendido lo que siento. Ya no estás, qué bueno es el tiempo. Estoy curada de ti, te dije ya. Ya no te siento aquí, no te siento ya. Nunca supiste, no me supiste valorar. Assez calor. Assez calor. Assez calor. Hola chicos. Hola chicos y chicas. Aujourd'hui, petite marche, petite randonnée, pas en montagne, mais dans la mer. Dans la mer, c'est jaune. Ça va être un peu de quoi? Ah non. Vous voyez le banc de sable blanc là-bas. On va devoir rejoindre ça pour pouvoir marcher jusqu'à la playa Mosquito. C'est parti. Je crois que là, il regrette de sortir avec moi parce que je l'emmène faire des activités chiantes, compliquées. Du coup là, je crois que c'est... Je sais pas si vous allez entendre parce qu'il y a du vent, mais en fait là on est sur le banc de sable en plein milieu de la mer. Et on va essayer, tant bien que mal, de rejoindre la plage, la playa Mosquito. Vous voyez, les gens là sont assis carrément en plein milieu du banc de sable. Ils prennent leur goûter. Et moi, ça m'arrive à là en fait. Oui, moi, ça m'arrive au champ. Oui, pour l'instant, en fait, ça m'arrive au champ comme ça. Et après, ça remonte un peu là. De temps en temps, je marche sur des trucs, je sais pas ce que c'est.
Il n'y a que des espèces d'oiseaux. Et toute la zone est protégée, évidemment. Donc nous, on a droit à cette partie-là. On va se poser et manger quelque chose. Puis on retournera sur l'île. C'est magnifique. Ça fait un peu genre petite... Et du coup, je l'ai appelé chien. Bon. Hola, Chico. Ça va? Ça va, ouais. Tu as bien dormi? Non, pas trop. C'était la fête hier soir? Ouais. Mais c'était même pas notre fête hier soir. Il y a des étrangers israéliens qui ont fait la fête jusqu'à 3h du matin. Mais je rends pas la fête avec la petite musique toute mignonne. Oui, donc je disais pas avec des musiques intéressantes, quoi. Des musiques techno à base de boum, 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 boum. Enfin, j'appelle pas ça de la musique, moi. Donc, du coup, c'était un peu l'enfer. Mais bon, c'était la dernière nuit, donc c'est pas très grave. On quitte Holbosch aujourd'hui. Là, il est 7h du matin. On va aller prendre le petit jetonnet. Et après, on reprend le ferry pour repartir sur Mexique. Et on va reprendre la route pour une nouvelle ville. Au revoir, Los Mosquitos. Je suis mangée de partout, j'en ai pas. Il y a tellement de liens de sang maintenant, je suis à cette famille. Ouais, je pense. Eux, ils ont mon sang. Moi, j'ai pas leur sang. C'était une très belle île, Holbosch. En cette période de l'année, énormément touristique. Donc, c'est pas le plus agréable pour apprécier un endroit. Mais sinon, c'était bien. C'était bien à voir, les plages étaient jolies. La petite ville était bien aussi. Donc voilà, on est parti pour la prochaine étape.